Le parti civil, M. Houri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Marcel Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Vous étiez véritablement le neveu du capitaine Dadis. Neveu. Vous savez, bon, c'est la forêt. Ceux qui sont après Massanta, on les appelle tous. Est-ce que vous étiez véritablement... Moi, je ne suis pas véritablement son neveu. Ma mère n'est pas Guézé ou Maconia. Ma mère est Thomas. Est-ce que vous avez toujours accepté de vous faire appeler neveu de Dadis? Moi, j'appelle tous ceux qui sont après Massanta, Lola, Bella, Yomou, Zerekouré, je les appelle oncle. Monsieur, c'est ce qui est uni dans notre coutume. Monsieur Marcel. Procureur. Guerzé. Monsieur Marcel. Mano. Monsieur Marcel. Suivez la question, oui. S'il vous plaît. Monsieur Marcel. Ouais. Calmez-vous, hein. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. Ne vous énervez pas, okay? Ok. Très bien. Durant tout le règne du CNTD, est-ce que vous avez accepté de vous faire appeler neveu du président Dadis? Au temps de Dadis, on ne m'appelait pas neveu de Dadis. On ne vous appelait pas comme ça? Moi, on me dit on ne vous considérait pas comme étant son neveu? On ne m'appelait pas neveu de Dadis. On pas du tout. Pas. On ne dit pas neveu de tel, on appelle à son nom ou à son grade. Non, est-ce que vous avez accepté non, que l'on vous considère ainsi? Quelqu'un ne me dit pas. Jamais. Quelqu'un ne me dit pas neveu de Dadis. Jamais. Jamais. D'accord. Vous avez dit ici qu'il y avait une différence entre le camp de Kalea et le camp du kilomètre 66 lors de vos déclarations. Vous dites qu'il y avait une différence entre le camp de Kalea et le camp du kilomètre 66. Vous confirmez cela? Oui, il y avait une différence. Et quelle était la différence? La différence, d'abord, les lieux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le camp de 66 se trouve dans Koya. Oui. Donc tu n'attends même pas Forokaria. Oui. Or, le camp de Kalea se trouve hors de Forokaria. Oui. C'est long, parce que moi je ne suis jamais allé dans cette unité de formation commune de base à Kalea. Mais 66 était une ferme. Au temps du général Assarakonté, c'était une ferme. Oui. C'est la marine qui a emprunté le coin pour y procurer une formation militaire. Donc, il y a eu des soldats, des recrues, pardon, qui ont tempéré à ça. Moi, personnellement, j'ai eu quelques quotas. C'est-à-dire, on m'a donné 6 places, quelque comme ça. Je crois que Toumba aussi, le général Sekouba Konaté. En tout cas, chacun, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont vraiment un peu aux yeux du président, il a donné un peu. Et lui-même. Bien. Quelle était la différence par rapport aux recrues qui s'y trouvaient? Les recrues qui étaient au kilomètre 66. La différence est. Et les recrues qui étaient à Kalea. Le temps de recrutement et oui. Le temps de formation. D'accord. Parce que les jeunes de 66 ont fini la formation. Il fut affecté dans les différentes unités. D'accord. Et vous, vos 6 éléments-là, étaient où? Ils étaient à Kalea? Non. Ils à 66? Ils étaient à 66? Oui.
C'est à 66. D'accord. On va en parler encore tout à l'heure. Au stade, est-ce que vous avez constaté les cas de viol? Non, je n'ai pas vu cas de viol. Il ne faut pas que je mens. Vous n'avez pas vu ça? C'est après que lorsqu'on a quitté, peut-être, mais je n'ai pas vu cas de viol. Vous n'avez pas vu de corps? Non, je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas vu de corps. D'accord. Et Sankara Kaba et Jeannot avaient été tués au niveau de la présidence. Vous vous rappelez? Oui. Vous étiez là? J'ai entendu. Vous étiez présent? Non. Qui avait fait ça? Non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque... Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah. D'accord. Et après votre accident à Kipé, vous aviez passé combien de temps à la clinique Ambroise Paré? Bon, je n'ai pas passé une nuit là-bas. Là, il ne faut pas que je mange. D'accord. Je n'ai pas passé deux mois. Et vous pouvez, nous repréciser la date? Après l'opération, ils ont cousu ma langue. C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Le docteur m'a incité, non, tu ne peux pas aller. J'ai dit, non, laissez-moi, comme vous avez cousu, le traitement, on va le faire maintenant chez moi. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la date à laquelle cet accident est survenu? Franchement, avec le temps là, je n'avais pas l'intention. Est-ce que vous rappelez-nous juste la date de l'accident? Non, je n'ai pas la date fixe. Vous avez oublié? J'ai oublié. D'accord. Toumba a dit ici que Colonel Pivi avait fait venir des hommes au camp, environ 500. Et il disait qu'il allait leur apprendre des arts martiaux. Est-ce que vous avez vu ces 500 hommes-là au camp, Alpha Yaya? Bon, moi, personnellement, j'ai pas veillé à ça. Le camp est large. Non, est-ce que... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Moi, j'ai pas constaté. Vous n'avez pas remarqué la présence de ces 500 hommes au camp? Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, en tout cas, Marseille, j'ai pas vu. D'accord. Vous dites que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait. Mais au sein de la présidence, il doit être au courant. C'est le président. Non, écoutez, monsieur. Il est au courant. Non, monsieur Marcel, ne rendez pas notre échange difficile. Oui. J'ai l'impression que ça ne va plus là. Mais il est au courant. Non, écoutez, la volonté qui vous a amené à cette barre-là, ce n'est plus cette même volonté que mais nous peut-être constatons. Mon non, français, non, 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 le... non, non, permettez, nous parlons facilement. Non, peut-être c'est mon problème. Non, écoutez, ce que nous disons, c'est accessible. Oui. Acceptez de répondre à nos questions. Ok. Ou bien? Je réponds. J'ai dit que c'est vous qui avez choisi de revenir à la barre. Bien sûr. Donc, je me dis que la bonne foi doit vous animer du début à la fin. Vous ne devez pas vous énerver. Mais on est obligé de vous poser des questions. Je ne suis pas énervé. Non, non. Ça se remarque, hein. Non. C'est comme ça, monsieur le procureur. On bien, a est-ce que oui ou non? Le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au camp. Le président Dadis est au courant de tout ce qui se passe au camp. Tout. Oui. Est-ce qu'après ces événements du 28 septembre, des gens ont été enlevés au stade et envoyés au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été gardés pendant des jours? Les gens enlevés. Oui, au stade. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté? Je n'ai pas constaté ça. Vous étiez constamment au camp militaire? Moi, je ne me promène pas. Non, mais vous étiez au camp? Oui, mais on vous peut étiez à la au présidence. Camp sans connaître. Le camp va à 3 km. Non, écoutez. Monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas remarqué la présence des personnes qui ont été enlevées au niveau du stade pour être envoyées non. au camp Alpha? Si j'étais au, si j'avais senti ça ou j'avais vu ça, j'allais répondre ici que oui, je l'avais vu. Mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas parce vu. Que c'est la vérité. Et vous n'avez pas appris aussi? Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris. D'accord.
Est-ce que vous confirmez que C.C. Raphaël était à côté de son épouse le 28 septembre? C'était où? À côté de son épouse, au chevet de son épouse. Moi, je ne connais pas le programme de C.C. Hein? C.C. n'était pas avec moi. Vous ne l'avez pas vu ce jour? Hein? Vous ne l'avez pas vu le 28 septembre? Vous ne l'avez pas vu au camp? Moi, je n'ai pas vu C.C. Hein? Il n'était pas au camp? Je n'ai pas vu C.C., franchement. Il n'était pas au stade? Je n'ai pas vu C.C. au stade. D'accord. Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela? Bien sûr. Dans sa propre chambre, à coucher. Vous étiez au nombre de combien dans la chambre? Bon, je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gono Sangaré. Il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Tédor. C'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé? Comment il avait donné des ordres? C'était un ton d'ordre qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez il nous dit, il faut les mater. Ça, c'est un ordre. Il faut les mater, terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut les mater, c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc, il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les leaders là sont qui? Pourquoi pas, ils ne respectent pas l'autorité de l'État. Vous savez, quand lui, il est dans son sang, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas. Ah, tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Même devant, même au palais, il peut être à un simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça. Nous, on n'était pas contents de ça. C'est le moment de le dire. D'accord. Merci bien. Et entre vous et Toumba, qui est arrivé le premier au stade? Bon, vous savez, on est rentré au même moment, mais pas le même temps. Vous étiez derrière lui ou bien devant moi, lui? Moi, je n'ai pas vu Toumba rentrer au stade. Vous l'avez trouvé au stade? Je l'ai trouvé à l'esplanade avec les gens. Ils étaient en train de se battre avec les bérets rouges, les soi-disant bérets rouges. Donc, vous l'avez trouvé au stade? Oui. Il se battait avec des bérets rouges. Oui, je l'ai vu quand même. Ça, c'est clair. D'accord. Cette manifestation-là, vous étiez pour ou bien vous étiez contre? Moi, je suis militaire. Comment? Moi, je ne suis pas politique. Non. Moi, je ne me suis même pas... Est-ce que vous étiez d'accord qu'il y ait manifestation? J'étais même pas au courant s'il y a manifestation. Oui. Est-ce que quand vous avez appris ça, vous étiez d'accord que ça se tienne? Bon, monsieur le procureur, la manifestation, c'est un droit. C'est ce qu'on nous a appris. C'est pourquoi le président Dadis ne pouvait pas nous utiliser. Il connaît ce qui est dans notre tête. Il fallait passer par d'autres personnes, les soldats, recrues, pour qu'ils puissent manifester. Vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non. Vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non, moi, je n'étais pas au courant si il y a manifestation au stade. Non. Comment je peux être pour? Non. Est-ce que vous avez aimé ça ou bien vous n'avez pas aimé? D'abord, moi, j'aime que chacun manifeste sa joie de manifestation. C'est un droit humain. D'accord. C'est dans la Constitution, je pense bien. D'accord. Un citoyen, si tu as besoin de manifester, tu manifestes légalement. D'accord. Si l'autorité accepte, des fois. Bien. Et puisque depuis le début de ce procès, vous êtes dans cette salle, vous avez suivi le défilé des différentes victimes, est-ce que vous croyez en ce que ces victimes-là ont déclaré ici? Monsieur le procureur, je ne peux pas confirmer ou infirmer les dits des victimes. Dire oui, c'est être insensé. Dire non,
Parce que ces événements, le reste, ils ont expliqué, ça n'a pas passé devant moi. Je ne peux pas confirmer. Mais vous avez quand même une conviction. Ma condition est que il y a une eu une conviction. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des hommes ensevelis. Vous confirmez qu'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts parce qu'on a vu à la télé. D'accord. Vous confirmez qu'il y a eu des cas de viol? On a vu des femmes ici. Bon, permettez. Au huis clos, on était là ensemble. Vous avez vu des femmes qui ont expliqué ce qu'elles ont vécu au stade et après le stade. Est-ce que vous avez cru en cela? Bon, quand une femme, franchement, une femme vient devant l'autre et demande qu'il a été violé, que telle chose lui est arrivée, d'abord, on ne cherche pas à savoir est-ce que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez cru en ce que ces femmes-là ont dit ici? Bon, avec cette violence, je ne peux pas infirmer ça ou dire oui non, ou non. Non, vous avez une conviction. Il n'y a pas de preuve devant moi. Non, écoutez, vous les avez suivis ici. Oui, j'ai suivi. On était tous là. En âme et conscience, ça me touche. Vous pensez que ces femmes-là peuvent inventer tout ce qu'elles ont dit? Franchement, les femmes-là ne peuvent pas inventer. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire que ce que ces femmes-là ont déclaré, c'est là, vrai. Là, il faut se dire la vérité. C'est au tribunal d'apprécier les dits. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand une femme se lamente en ce sens, vraiment, c'est la consoler. D'accord. Et les cas des disparus, vous croyez en cela? Il y a eu des disparus, des gens n'ont pas retrouvé... Bon, vous savez, monsieur le procureur, c'est une question très perplexe que vous me posez. Quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, tu peux affirmer. Mais quelque chose qu'on t'a dit, il faut chercher à connaître est-ce que c'est une réalité ou une fausse réalité. Oui, nous croyons. Mais quelque part, il se peut, je dis bien, il se peut que le président Dadis, avec son clan, pouvait dissimuler certains corps. Il faut être franc. Vous croyez que le président Dadis était capable de dissimuler des corps? Mais il peut le faire. S'il a eu l'audace, le courage d'envoyer ses soldats mal formés au stade, mais il peut le faire. Pour ne pas que son pouvoir soit encore plus sali. Merci. Peut-être. Merci. C'est ce que je veux dire. Mais je n'ai pas vu des corps dissimulés. D'accord. Et je n'ai pas assisté. Ceci Raphaël a dit ici qu'après le 3 décembre 2009, il y a une véritable chasse qui avait été engagée contre lui. Vous étiez impliqué dans cette chasse-là? Bon, ceci Raphaël, c'est un ami, je sais, mais il a trop surpassé ses déclarations. Il est là. Il sait que l'homme qui est devant moi, qui est devant lui aujourd'hui, à la base, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est moi qui l'a présenté. C'est moi qui ai décidé de lui faire approcher au président Dadis. Oui. Et le président Dadis a accepté. Le faire chasse à l'homme. Même son jumeau, c'est moi qui l'a sauvé. Son jumeau. Parce que lorsque le 3 décembre, il y a eu beaucoup d'arrestations. Je l'ai sauvé. Oui. J'étais contre lui-même. Vous avez compris ma question? Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez non, impliqué? Non, moi, je ne suis pas impliqué à la chasse d'un homme. Aucun militaire. Vos hommes n'étaient pas impliqués. Non, moi, je n'ai pas d'homme, mon procureur. Monsieur le procureur, je n'ai pas d'homme. Je suis un subordonné qui est devant vous. Peut-être mon influence, mais je n'ai pas d'homme. Bien. Begré, pouvez nous dire comment Begré avait trouvé la mort? Ah. Bien. C'est pourquoi je vous dis, monsieur le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, je ne sais pas si c'était une garde, je ne sais pas. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sous un écran et veuillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Ben, Ségouré est là-bas, le colonel. Il est ministre chargé de anti-drogue. Quelqu'un qui a attaché sauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui dois donner l'ordre
de le détacher. Il était présent. Mais bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. S'il n'est pas problème présence. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, les restes là, je ne connais pas. Et colonel Pivi? Non, colonel Pivi ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivi, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que lorsque REC a tiré, il y a eu tir sur le président, vous pouvez me le laisser? Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre, ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas exécuté ce que tu as fait pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Camara. Et moi-même, j'ai joué au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais au camp Koundara, REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, ouais, Marcel, là, il peut pas me trahir. Mais la venue, la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vite trahi. C'est pour qu'il a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations, Begré a été arrêté à la frontière. C'est le procureur, si on ne veut pas vous rappeler. Begré a pris la fuite avec une femme et un civil qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'a vu, il dit, bon, Marcel, merci, tu ne t'es pas mêlé dans ça. Begré, ton petit, le petit, il est mort. Celui qui est rentré dans les détails, un peu m'expliquer, avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mon maître me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à ce qu'il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé. Non, moi, je n'ai pas vu qu'il égorgé. Mon maître ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. D'accord. Mon maître, c'est un Séraloné qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en Sierra Leone aujourd'hui, peut-être on me dit qu'il est en Sierra Leone, c'est ce que j'apprends. Vous savez, Begré, il a grandi ici. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avaient été posés sur les murs. Vous dites? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris? Oui. Ces fils-là ont été posés sur les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça? Avec toutes les explications-là, bon, moi, je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. Si cela est fait, c'est ce qu'ils ont. C'est le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer, mettre sur les murs. Lui, il sert à fuir. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président Dadis était sorti. Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre? Bon, je vous dis, au pont 8 novembre, vous savez, il y a une distance. Quand même, quand tu es sur le pont 8 novembre, vers le Calvaire, il y a quand même un peu de distance. Là, oui, je vais dire, droit. Lorsqu'il est sorti du camp Alpha Yaya, oui. Quelle est la direction qu'il avait prise? Mais il a pris la direction, il sortait du camp. Non, il a pris quelle direction? La direction du stade. Du c'est vers là. Parce que la sortie de Yimbé, l'autre côté, il était de l'aéroport. C'est des grandes sorties. Donc, il y a l'Imbéa, qui est face directement à la présidence, d'alors, et vers l'aéroport où se trouve le grand bataillon. Donc, il était allé vers le stade. Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé? C'était au camp ou bien où précisément? Après tous les mouvements. Moi, oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ces jours, là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ces jours-là? Quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est à ce temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé.
Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Les gens donc qui l'a envoyé, c'est les gens là qui venaient le rendre compte. Bien, vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien, bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif? Bon, je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. D'accord. Voilà. Et au niveau du pont 8 novembre, qui non, était au pont? Non, je ne les ai pas atteints. Moi, j'étais maintenant, bon, quand j'ai vu le dispositif là, pour moi, ouais, j'ai dit, ouais, le président est là. Parce que lui-même, il a tenu le matin qu'il faut qu'il parte au stade. C'est un homme, il ne faut pas le voir comme ça. Ça vient dans sa tête, il le fait. D'accord. Sinon, le journal Baldé ne pouvait pas venir au camp, le prendre comme ça là, à l'oreille et partir à Koundara. Lui-même, au bord de sa pick-up. C'est lui-même qui conduisait, peut-être. Parce que c'est son habitude. Oui, mais est-ce que vous étiez d'accord que le président Dadis continue à rester au pouvoir? Rester au pouvoir? Non, ce n'était pas mon goût. Vous n'étiez pas... Non, pour... nous, on l'a préparé. Et on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. D'accord. On lui a côtoyé. Quand j'ai vu le président Dadis faire comme ça, là, de premier jour, j'ai dit, oh, j'ai dit, ah, ça c'est quel mouvement encore? Mais il n'était pas habitué à ça. Il nous courtoyait, il était en bas de nous, mes enfants, bon, on va faire comme ça. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, c'était fini. C'est une autre personne qu'on a retrouvée devant nous. D'accord. Et Toumba a dit ici que vous, Marcel, vous étiez très puissant et très craint. Vous avez même giflé un ministre une fois devant Dadis. Vous confirmez cela? Très craint, très puissant. Puissant. Oui. Ah, les gens, gloire à oui, Dieu. Les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. Ce n'est pas par ma violence. Est-ce que vous étiez très fort au temps du régime du CNDD? Très fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici. Hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est... C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient. Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. D'accord. Ils ne vous craignaient pas. Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé. Il vient me réveiller, mon fils allant au sport. C'est pas comme ça que je suis. Je suis un homme courtois. On continue. Et ce jour, le 28 septembre, de Manéa, est-ce que Pivi est venu vous retrouver au camp Alpha Yaya? Ah, bon, le colonel Pivi, il est là. Moi et le colonel Pivi, sauf que je vais aller le saluer. Hein. Bonjour, grand frère. Oui, vous avez compris la question. Mais je n'ai pas vu le jour du 28 septembre. On n'avait pas les mêmes programmes. Vous ne l'avez pas vu? D'abord, il n'est même pas venu me saluer quand j'étais malade. Comment je vais aller vers lui? Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Bien. Et au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous n'avez pas émis l'idée d'envoyer les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Je n'ai pas de cellule pour ça. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti la grenade? J'ai bel et bien dit, monsieur le procureur. Si Toumba n'avait pas intervenu entre moi et le colonel Tegoro, c'était pas bon. Oui, c'est la motivation. La motivation, il a trahi. Non. Il a mis le président Dadis dans l'eau. Cette menace, c'était contre les leaders ou non. Bien c'était contre Tegoro? C'était contre Tegoro, monsieur le procureur. Si j'étais contre les leaders, je vais les reconnaître. Moi, j'étais un homme. J'allais le dire parce que je suis un homme. Vous n'aviez pas empêché l'admission des leaders non, au sein de cette clinique? Non, c'était pas de la manière. C'est les gens qui ont interprété comme ça, ils ont analysé comme ça parce qu'ils ont peur. Quand tu as peur, tu analyses les choses comme tu le veux. Donc, vous avez sorti la grenade contre Tebro? Mais il fallait. C'était contre lui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais ce sont eux qui ont fait tout ce qui est passé au stade. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu au camp? Attendre au camp? Il a l'autre leader. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, tu es là présent et en train de le maltraiter. Le jeune qu'il avait porté, c'est à ce temps, moi-même, j'ai gardé le sang-froid.
Parce que quand j'ai vu le jeune l'apporter, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garde-corps ou quoi. Mais quand il était maintenant en mouvement, lui partait, j'ai dit d'accord, on va sortir dehors. Ils ont mis dans leur voiture. Même la voiture là, je ne retiens même pas la marque, le nom, parce que c'était la folie. Bien, vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président Dadis ne vous a offert que la somme de 2 millions. Des briques, millions de francs. Alors, comment vous fonctionniez? C'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. Celui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. Celui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul, hein. Vous n'avez eu que 2 millions. C'est 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. Et c'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, comme c'est le président qui nous a donné ça, c'est béni. On va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis la main. Allez, on sort. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président Dadis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président Dadis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison? La trahison à député. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner. Chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les coups. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc vous où je peux habiter? Quel poste? Vous êtes frustré? Je ne suis pas frustré. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc, ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp après tous ces périples, vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3-4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au groupement de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que tu ne peux pas identifier, c'est pour qui? Amdalaï, les pick-up dont vous parlez. Non, je ne peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient, c'est le général. J'ai compris que ouais, ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre. Mais l'autre là, je n'ai pas pu reconnaître. Parce que j'avais pas l'intention. Moi, mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Parce que je savais que déjà c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale entre vous, Cécile Raphaël, et lui. Et il vous a dit: nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion-là? Non, c'est pas une réunion. Est-ce qu'il vous a fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau, je suis venu le trouver, il était avec. C'est Raphaël était de passage, il a appelé ceux-ci, ils sont assis. Quand je parlais, il dit Massagui. J'ai dit oui. C'était la première fois. Parce que tout le monde est à la maison centrale. On ne se fréquente pas. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit viens. Ah, le procès. Il dit assois-toi. Je me suis assis. C'est dehors. C'est pas dans cette chambre. Ah, Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. J'ai dit oui. Dites votre vérité. Je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue
Voilà, j'ai dit, vous dites la vérité, vous dites, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On est parti, on va au procès, que chacun dit ce qu'il a dit. Moi, on me dit et pas. Et vous avez dit, même si on envoie un char. Non, je suis charman. Non, est-ce que vous n'avez pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char, non. Ça, c'est les commentaires. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais dire pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas, je suis un ministère stratège. Ceux qui ne voyaient pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au niveau de Kalia, le camp de Kalia, le centre de formation de Kalia, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez peut-être pas. Peut-être. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, vous ne pouvez... bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Je ne veux pas que je mens. Je ne suis pas parti. Il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kalia. 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Oh, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kalia étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kalia. De Kalia. Ah, ils étaient venus clair. Tous de Kalia. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp gérés par Il n'y avait Makambo. Pas de soldats, si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés garde caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douce, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Diaby a joué? Colonel Diaby? Mm-hmm. Le ministre? Mm-hmm. Bon, lui, je l'ai pas vu. Vous il n'y a pas vu? Eu de contact, je ne connais pas comment il a géré sa D'accord. situation. On ne sait pas en compté. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo. Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kalia dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président Dadis a de mauvaise foi. C'est pour à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis harcelé contre lui, non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui, Makambo. Ça c'est même. Je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Yaya, et les militaires sont tous témoins. C'est pas caché. Makambo marche avec hache. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça, c'est effectué par le président d'Addis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. C'est lui l'intendant. Celui qui doit mettre le carburant. D'accord. Voilà. Il y avait combien de cars environ? Bon, je n'ai pas vu de cars. On a parlé de trois cars. Pas vu de... Vous savez, des choses comme ça, ils font en dissimulation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés. Et ils ont été dans transportés. Les cars. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a eu souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des courriers et qui détenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui sont pas... Vous savez,
Moi, j'ai... Au temps de lancer la compte, ils ne sont pas tant Sigri. Le référendum, oui ou non. Le président lance la compte, mais avec sa stratégie, nous, on avait fini la formation. Mais on n'était pas sorti. Les élections, oui ou non, est arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous, on a été stratège parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Mais Sigiri a dit, hey, sois-y, mais l'anté. Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. Ça dit, hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Vous voyez? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Moi, ces gens-là ne ressemblent. Vous n'avez pas vu de flèches? Non. Il ne faut pas qu'on trop abuse tout. Flèches, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais Les couteaux. Vous savez, les soldats. Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré, ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi, je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Non, il ne faut pas que je m'en. Vous étiez chez Foromo plutôt. Foromo, ce n'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp? Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Oui. Chez lui? En tout cas, si c'était lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était... Foromo ne venait pas au camp? Moi, je n'avais pas de relation avec Foromo. Parce que Toumba dit qu'il était... Moi, je suis un Zoro. Toumba dit qu'il était en compagnie. Vous êtes? Un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand tu dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Foromo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Foromo était là, il marchait. Il était avec le président d'Addis. Toumba dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que c'est ça peut être vrai. D'accord. C'est la vérité. Parce que c'est un homme clé de Dadis. Bien. Et votre ami Turam? Paix à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Alors, Turam, c'est un promotionnel même. 2001. Ah, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Il est mort en 2022. Ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce d'avec le président Dadis? Parce que on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, on est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Je veux savoir, quelle est la cause de la rupture entre vous? Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité? Non, mais moi, il n'y a pas de... Quelle rupture? On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, et chacun rentre. On a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions? Et une maison. Le réclamer? C'est ce qu'il a refusé de donner, c'est pourquoi vous avez décidé. Non! Vous savez, monsieur le président. Est-ce que vous lui avez demandé ça? Non! Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. Ces avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, monsieur le président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face, donne-moi 300 millions, c'est une vie. Mais quelle vie là? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonsé Nifal et avant lui, M. Sidi Touré. Monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, on dit que vous les avez agressés. Monsieur Fall a dit ici que par rapport à Monsieur Sidi Touré, ça s'est passé deux fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture.
Et d'autres victimes ont dit, ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le président était dedans. Et vous êtes aussi? Oui, parce que là où il y a Makambu. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait de quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez mais tué, les vous gens avez qui tué. Sont en train de dire que je les ai blessés, si je les ai blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis un militaire. J'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que tu ne seras pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme... Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que Toumba. Est-ce que il vous arrivait de porter... Non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez, les Guinéens... Non, c'est Toumba-même qui l'a dit, hein. Laissez les Guinéens ouais, de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret comme moi, lui. Non, moi, je suis un charman avant tout. Est-ce qu'il vous arrivait un de porter... Un charman ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme ça. Je ne porte pas le béret comme ça. Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard. Hein? Mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne le fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Tchebro qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, du lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Tchebro. Il était toujours avec lui. Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef. Vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la prison. Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à son bureau est à côté. À la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis, ça c'est faux. Merci, monsieur le président. Il est dit au dimanche, il est avec lui. Merci, Monsieur le Président. Honorables acteurs. Monsieur Marcel. Le procureur. Notre échange tournera essentiellement autour de 5 ou 6 points. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avait eu un examen de conscience et spontanément vous avez levé la main dans le box et quand le président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité. Parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortel. Que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir. Et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues brillamment dit. Et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi? Ok, ça c'est pas seulement parler du 28 septembre que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça de l'administration
du service d'antidrogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce n'est pas ses biens qui sont en position de faute, c'est sa personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Parce que vous avez dit, voilà. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre, ne serait-ce que les médias, le 28 septembre au soir ou les jours d'après, où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Kosa, Bambeto, et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, télé, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Oui. Même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinéen qu'il y avait eu des pillages. Oui, vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier. Vous aviez dit que vous connaissiez les coins et recoins de ce camp, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ce pillage? Franchement, monsieur le procureur, il faut que je mens. Si je savais, j'allais le dire. Il faut que je mens. Parfait. Alors, on a parlé du disparu. Vous avez dû suivre lors des audiences ici, des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer partie civile pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre, qu'elles ont recherché des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours, mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même, M. Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Quand savez-vous? Les disparus, je ne peux pas dire exactement où ils sont. Et comme on parle de disparus, vous savez, chaque camp a une responsabilité. Vous êtes conscient quand même. Le colonel Théa. Vous êtes conscient quand même. Le général Théa maintenant qui monsieur, est... Monsieur Marcel. Oui. Vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus, n'est-ce pas? Ah, vous savez, c'est un problème complexe. Et ce que tu n'as pas vu. Mais si les gens parlent, il faut qu'on vérifie. La réalité est que tout le camp dont on parle, quand ça mourit, quelqu'un dit j'ai vu. Il est là, il est vivant, le journal Théa. C'est un homme. Demandez-le. Il était le commandant du camp. En attendant, si on envoie les corps, monsieur, c'est lui. Monsieur, les corps ne peuvent pas sortir. Monsieur Marcel. Oui. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Non, je ne sais pas. Quand l'affaire de corps disparue. Je ne connais pas le lieu. Ça n'a pas fait devant moi. C'est ici que j'ai appris. C'est des informations. Chacun de nous doit chercher. Mais si le colonel, le général lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp. Alors, où on a envoyé ses corps? Demandez-le. Il va le vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on en a envoyé. Parlons des violons qui étaient, enfin, des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp. Il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon. Est-ce que vous étiez informé de ça? Bon, conteneur, je ne peux pas confirmer, il n'y avait pas de conteneur. Oui, mais vous étiez informé des violons quand même. Mais ça, c'est d'abord la preuve. Où était cette bouille béret rouge pendant un mois? Vous étiez informé qu'il y avait des violons au camp ou pas? Mais pas des violons, mais le violon. Parce que c'est les antidrogues qui arrêtent. Quand tu arrêtes quelqu'un, il faut que tu le loges. Bien. Cet antidrogue, c'est le service de M. Thiebro. Il avait un violon à l'intérieur. Bien sûr. Monsieur, pas dire ça. Il y en a qui avaient... Des victimes qui avaient parlé
d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par M. Claude Pivi. Vous confirmez? Non. Là, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Vous savez, son service... Puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas. Et quand on torture un être humain, ce qui est sûr, vous entendrez forcément des cris. Vous étiez même si vous n'étiez pas membre de ce CNDD, vous l'aviez dit hier, mais vous étiez un homme influent du CNDD. Est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes, non, de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté? Non. Si cela se fait au camp, certains vont parler, hein. Le soir du 28 septembre, non, vous n'avez pas entendu parler? Non. Les jours qui ont suivi non plus? Non, je n'ai pas entendu de cris, de lamentations d'une personne qu'on est en train de torturer. Là, il ne faut pas qu'on ment. Monsieur Marcel, je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi. Moi? Je dis oui? Que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye, la mauvaise foi aussi. Oui. Vous avez accepté volontairement. Mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé. C'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box. Et quand le président vous a appelé, vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Des victimes ont défilé ici, qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp. Le camp qui abritait la présidence de la République à l'époque où vous avez votre logement. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces gens-là? Franchement, je suis devant Dieu. Si j'avais entendu, j'allais le dire. Je suis venu vous dire la vérité. Mais si je mens encore, alors, où est la vérité? Parfait. Je continue. Quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ah. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Oh, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez dans pas de par-dessus? Par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais avec ma tenue, ma grenade est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet à la Kalachnikov, Alexandre Kalachnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question. Vous m'avez répondu, Monsieur Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre déclaration. Je n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viol et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu
des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer. Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Un homme ne peut pas violer vous une femme devant moi. Vous n'avez rien vu de tout ce que je viens de je décrire. Je n'ai pas vu ça. Il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, monsieur Toumba Diakité. Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Toumba n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et vous c'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la peluche. Et avec son groupe. C'était nombreux, hein. Il y avait certains bérets rouges, c'était un béret vert, c'était un cold body. Il n'y avait pas de béret. Monsieur Tchebro, Moussa Tchebro Kamara, vous l'avez vu. C'est lui. C'est les deux personnes. Dans l'enceinte du stade. L'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, ici. Il avait une arme aussi. Bon, non. Il n'avait pas d'arme. Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, comme j'étais en... Moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils étaient là. J'avais d'Atoïboïde, certains bousculaires, c'est lourd. Mais le jeune qui l'avait porté, c'était un homme, hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalen Diallo, M. Tchebro était là. Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes, mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. Selou Dalen Diallo? Ils étaient en body noir. Le body noir, écrit anti-drogue. C'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes? Non. De donner des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, ben lui-même, on le brûle. Mais le jeune le pensait que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pivy? Non. Claude Pivy, on ne s'est jamais vu, même le 28. Je ne l'ai pas vu. On ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté, je n'ai pas vu Claude Pivy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est M. Aboubakar Diakité dit Toumba. Begré est rentré au stade, c'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans non, le non, box. Non. Vous n'avez vu que M. Aboubakar Diakité oui. dit Toumba. Oui, je l'ai vu. Et M. Moussa Tchebro Kamara. Oui. C'est les deux que vous avez vus. Oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, c'est pour même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, du FBI à Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non. Ça, c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, vous y avez fait un tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était frustrés. Même Dadis, le président Dadis, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, si j'étais fautif, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avions commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Marcel qui a fait ça. Pourquoi bien fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009 oh, 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, ah, allez-y, faites ça. Regardez là. J'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours après. 2 octobre. Oui.
Mais on était méfiants, on était là. Vous on le suivait. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander, me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais, je n'ai pas vu, je n'ai pas... Ils m'ont jamais assis, je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, monsieur Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est... C'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous. Voilà, parce que le groupe... Vous, au moins, m'avait posé une question tout de suite de voir si qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle. À part les groupes de Begré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade à l'entrée. Parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs. Parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais Monsieur dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on ne peut le dire parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement. Est-ce qu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? Ah, mais c'était pour les encourager? Lorsqu'il y a des morts, est-ce qu'il y a eu des armes à l'intérieur? Mais c'est que par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tiré l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont ceux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 20 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est vous. Le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyées là n'ont posé aucun acte. Mais il commandait ces recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte Dadis du Dadis est responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Partie civile, les questions. Monsieur le Marcel, vous avez le droit de dire au tribunal que vous êtes fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je vais prendre au moins 5 minutes de pause, si vous me permettez. L'audience est suspendue.